Si docteur admet une maladie même qui peut venir qui pour hospitaliser malade là, moi lever encore le matin pour me bailler. Et mon travail matin, mon travail la nuit, on fait accouchement, on fait rapport, si j'ai choléra, on travaille dans choléra, urgence, on fait mon travail pour urgence tout. Si j'ai un malade qui vient qui gagne en pile problème comme si les besoin moi même pour m'arrêter avec faut m'arrêter gagne doit faire nuit ça m'pas dormir demain comme nous pas dormir m'a travail et puis rapport faut nous bailler à l'heure ensuite moi toujours là travail tout le temps pour mon bon m'a travaillé avec ce Haïti depuis tantôt 12 années. Et nous avons commencé ça depuis 2001. Je viens jeudi à Carré Jean-Louis et c'est une belle clinique, une belle facilité que nous offrons parce que nous avons un soin à n'importe qui l'heure dans la journée, quand on est en nuit. Et ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et puis 365 jours dans l'année. Bon, études moins faites, moi j'ai une spécialisation en médecine préventive, communautaire et sociale. En plus de ça, moi gagne tout, moi font maîtrise dans affaire de l'eau avec assainissement. Ça veut dire problème assainissement, il aurait été là niveau latrine, yo bas, il toujours été bas. Problème de l'eau, mais toujours là. Ça veut dire moun sa yo poko gagner l'eau que tu as besoin, qualité de l'eau que tu as besoin. OK, dans choléra, pendant moment choléra, m'kadjou pendant près de 1 an et demi. Nous avons reçu plus de 3368 cas choléra. Et ici, là seulement, nous avons gagné presque 62 ou 63 décès par choléra. Donc, vous pouvez imaginer nos communautés comme ça pour que une institution a fourni ce service. Mais nous parlons de malades qui ont choléra, nous parlons de monde qui est vraiment malade. Je des gens qui mourent. Donc c'est un gros challenge pour nous, mais nous arrivons à faire face à elle. Mais nous arrivons à juguler la maladie à lui-même. Cependant, tout problème y aurait été là. Ça veut dire problème assainissement.